Difficulté technique, cette personne n'a pas pu mettre Zokou. Ils recommencent leur bêtise là. Essaie d'écrire un commentaire, je vais voir pour voir si tu m'entends. Essaie d'écrire un commentaire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Boiskwassi à Sérifix. Bonjour au TEP, au TEP, au TEP, au TEP. À tous les miens. Yao, à tous les miens. Je vous salue avec le plus grand respect. Merci pour le partage, merci pour les likes. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Franchement, merci, merci, merci. C'est très gentil de participer à ce combat. Merci infiniment à ceux qui partagent parce que c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Ouais, essaie de recommencer parce que ça m'empêche de t'ajouter. Ouais. Essaie de ressortir et de rentrer. J'ai vu ta demande, j'ai essayé d'accepter, mais on me dit pour des difficultés techniques, tu peux pas rejoindre le live. Ah là là, participer à la vidéo, c'est compliqué maintenant. Bonjour, 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 vous allez bien? On va parler de certaines choses aujourd'hui là. Pour beaucoup, ils vont être surpris, mais c'est important qu'on dise ça. C'est important qu'on se parle un peu de temps en temps pour se dire les quatre vérités. Ouais, les quatre vérités. Ah là là là, merci pour ceux qui ont partagé, merci pour tous ceux qui arrivent. Peut-être là, j'essaie de voir, essaie de revenir, mettre Zokou, essaie de revenir. La vidéo de jeu sera très intéressante. Connectez-vous, si vous voulez vous la partager personnellement aux gens que vous aimez bien. Et vous allez voir que ça sera vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on va dire que beaucoup de gens, des fois, pensent, mais ils n'ont pas l'idée de faire ressortir ça au grand jour. C'est des choses vraiment qui paraissent banales, mais qui sont tellement, tellement néfastes pour nous, tellement dangereuses pour nous. Il faut qu'on en parle, il faut que les gens, il faut qu'on en prenne conscience, en fait, pour que les choses puissent changer. Ok, vas-y, envoie une nouvelle demande, Zokou. Je ne sais pas si ça va pouvoir passer. Essaie de sortir. Merci pour les cœurs, merci pour les likes. Merci, c'est important. C'est maintenant que ça a commencé à sortir. Merci, merci, merci. Attendez, hein, parce que les gens là sont trop... Essaie de faire ce que Bowie t'a dit là, je crois. Ah. Il y a tous les membres de ma direction là, qui sont en train de passer. C'est eux que je regarde comme ça, en fait. Mais désolé, hein, on l'attend, maître Zokou. Merci pour les cœurs, merci pour les likes, pour qu'on puisse commencer le live tranquillement. Parce que maintenant, c'est mon binôme, donc je me sens maintenant obligé de faire ça avec lui tout le temps. Merci, merci, merci pour votre patience aussi. Désolé, c'est pas évident, c'est les aléas de Facebook. Comme ils n'aiment pas quand on parle de bonnes choses, là. Mais on va parler quand même. On va parler quand même. Oh là là. Est-ce que certains invités peuvent écrire le nom de Zokou Mallagui? Peut-être, on essaie toutes les phases hein, pour que ça puisse contrer les algorithmes de Facebook, là, parce qu'ils sont en train de m'emmerder actuellement. Est-ce que vous pouvez écrire Zokou Mallagui en commentaire, s'il vous plaît? Peut-être que ça va débloquer la situation, je ne sais pas. On essaie tout ce qu'on peut. Là, je ne vois plus de commentaires du tout. Punaise. Mais ça me fait rire parce que quand je regarde les vidéos des gens qui racontent des conneries, ils n'ont aucun problème technique. Tout va bien. Tout va très bien. N'importe qui, n'importe quoi vient commenter, dit n'importe quoi, vient participer, ça passe. Mais quand on vient parler de choses sérieuses pour nous faire changer, pour nous faire évoluer, par contre, là, on a toutes les emmerdes possibles de Facebook, des difficultés techniques. Oh, oh, oh. Ah là là là. Et n'oubliez pas aussi qu'ils ont une armée d'emmerdeurs qui sont sur les réseaux sociaux qui, dès que tu commences ta vidéo, ça leur donne un signal et puis eux, ils signalent la vidéo et ça bloque. Ah ouais, les gars sont prêts pour ça aussi. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Ça, je vous le dis. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Ils ont une liste de personnes. Dès qu'ils voient ça, en même temps, les gars, on a du boulot, on gagne notre pain. Signaler, signaler, signaler et ça bloque. Donc, c'est à vous, qui regardez là aussi, de liker, de liker, de liker pour que ça débloque. Parce que c'est comme ça, c'est le système. Ah ça, je suis convaincu de ça. Hein. Quand les gens disent qu'ils vont mettre beaucoup d'argent pour être sur les réseaux sociaux, là, vous pensez que c'est pour être sur les réseaux sociaux pour parler? Non, c'est pour être sur les réseaux sociaux pour empêcher les gens de parler. Voilà. Donc, merci pour le cœur. Écrivez Zokou Mallagui, s'il vous plaît. Voilà, son nom écrit là, je crois, dans le dernier commentaire. Écrivez Zokou Mallagui en commentaire, s'il vous plaît. On va voir ce que ça donne. Ah, parce que la vidéo d'aujourd'hui sera très intéressante. On n'a pas trop de temps. Il nous reste encore à peu près 45 minutes. On a perdu déjà 15 minutes. Et je ne peux pas commencer sans que Maître Zokou soit là. C'est pas bon. Je peux le faire hein, tout seul. Hein. Ça ne me dérange pas. Mais j'aimerais que Zokou soit avec moi. Donc, Facebook, maintenant, là, si c'est parce que à cause de Zokou, vous bloquez, vous mettez le doigt dans l'œil, hein, parce que je suis capable de faire la vidéo tout seul, sans problème. et puis, il n'y aura rien. Donc, ça ne sert à rien de nous bloquer. Sonaga Servo Kalbouré Zongo, mon fils du Burkina Faso, big up à toi, champion. Merci pour les cœurs, merci pour les likes. Voilà. Écrivez en commentaire Zokou Mallagui, s'il vous plaît. Sodaga, il faut écrire Zokou. Merci Alessandro Gualé. Voilà, j'espère que... Ah, j'ai mon frère Okossissi. Ah, on dit raison de machin aussi. Toi aussi, tu es bloqué. Eh, vraiment, faut renvoyer encore une demande Okossissi. Ah, ça me fait plaisir que tu sois là aussi. Faut renvoyer une demande, c'est pas grave. Faut sortir du live et puis renvoyer une demande. Parce que les gars, c'est leur nouvelle technique. Essayer de nous faire chier au maximum pour ne pas qu'on puisse communiquer dans les vidéos, en fait. Mais ils savent pas qu'on peut parler tout seul. Ils ont oublié la partie du film. Donc, essayez de ressortir. Ah, si j'ai Okossissi aujourd'hui, ça va être bon. Ça va être bon. Bon. Essaye de refaire la demande. Ah, Bois Guédré Ouraga, ça c'est ma petite soeur chérie. Comment tu vas? Big up à toi. Merci d'être là. C'est important aujourd'hui. Il faut être là. Il faut suivre cette vidéo. C'est très important le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. C'est très, très, très important. Et j'aimerais bien, même si tu peux participer, ça me ferait plaisir. Voilà. Merci Fernand Blé pour écrire d'avoir écrit Zokou Mallagui. Il faut mettre en commentaire Zokou Mallagui pour voir si ça va débloquer la situation. Mon frère Fernand Blé, ça c'est mon petit frère, ça. Ouais, c'est mon sanguin. J'espère que tu vas bien. Voilà. Je ramène encore. J'attends. Ajouter. Voilà. Ah, il arrive. Alors, j'ai la participation de mon frère autorité, Okossissi Baba Nicolo. Allô? Bon, écoute, c'est Zokou Mallagui. C'est tout ça là, c'est les femmes. Ah, ah parfait, c'est très bien. Merci, t'es trop intelligent. Ils ont bloqué Zokou, mais ils ne peuvent pas bloquer Okossissi. Alors, toi, tu es trop esprit. Merci, 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 Zokou, mon frère. Véronique Asoumou, bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va? Alors, ok, on va aller directement, hein, parce qu'on a perdu trop de temps. On va aller. Oui, c'est pas facile. Hein, voilà. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Donc, voilà, à tous ceux qui nous suivent, soyez rassurés pour la bonne précision des choses. Ce n'est pas Okossissi, c'est Zokou Mallagui. qui a accès au profil Okossissi version live. Donc, c'est toujours vos mêmes complices, vos mêmes compères de débat pour éveiller, pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Donc, aujourd'hui, on va aborder un aspect des choses. Nous tous qui venons sur les réseaux sociaux, débattons pour relever le pays, pour récupérer notre pays. Aujourd'hui, il faut que nous-mêmes, on essaie de faire notre propre autocritique. Voilà, on va mettre le doigt sur nos tares qui font que notre prise de conscience reste superficielle. Entre les proclamations, les bonnes intentions et nos comportements quotidiens, parfois il y a un écart qui, parfois à notre insu, nous éloigne de la cause que nous disons défendre. Donc aujourd'hui, on va parler de nous-mêmes, nos comportements qui nous éloignent de la cause qu'on affirme défendre. Il y aura 3 points à débattre à l'ordre du jour. Voilà. Premièrement, le fait qu'on minimise certaines situations de notre quotidien, le fait qu'on ne voit pas ces situations-là avec suffisamment de sérieux. Je donne des exemples, les coupures d'eau banale, les coupures de courant et l'absence de petites monnaies dans le commerce, c'est-à-dire les petits désagréments qu'on rencontre au quotidien qui nous empêchent de satisfaire nos petits besoins courants, mais dont on ne mesure pas la gravité en termes de blocage de la progression de notre pays. Deuxièmement, on va parler de nos querelles futiles entre opposants. Voilà, nos guéguerres sur les réseaux sociaux, nos attaques mutuelles entre partisans de X et partisans de Y, alors que c'est nous tous qui avons souffert de la politique des ados. On n'a pas l'air de se rendre compte, on se bombe la poitrine, ah, j'ai fait un direct, j'ai mis le feu, alors que ce n'est pas nous. Entre nous, là, nous ne sommes pas les adversaires des uns des autres. Celui qui a mis le pays sous coupe réglée, nous tous on le connaît. Ça, c'est le deuxième point. Et ensuite, le troisième point, ça s'adresse surtout aux intellectuels. Il nous amène, il nous demande de faire l'apologie de la lecture. Il faut lire pour se former. C'est bien beau. Mais lorsque le contenu de ce qu'on lit est déjà biaisé, introduit dans notre subconscient, les éléments même de notre soumission. On se demande s'ils sont conscients de ce qu'ils nous poussent à lire. Il ne s'agit pas de lire. Il faut lire des livres, des ouvrages d'éveil. Parce que tant que tu lis ce que le colon a mis dans tes programmes scolaires, ce que le colon présente dans les chaînes de télévision, tu ne fais qu'apprendre du bon français, du français soutenu, mais ton français est soutenu, mais ton esclavage aussi sera encore plus puissant. Ta mise en esclavage sera elle aussi soutenue. Donc il ne s'agit pas de dire aux gens, lisez, lisez. Non, amenez-les à lire des choses qui vont enlever dans leur subconscient les chaînes de la domination occidentale. Donc voilà les 3 points. Boiskwassi, tu peux y aller sans problème. Et donc par rapport au premier point, c'était quoi? Le premier point, c'était les petits désagréments qu'on rencontre au quotidien, mais dont on ne mesure pas l'impact. D'accord. L'impact au niveau du blocage que ça crée dans le développement du pays. Coupure d'eau, coupure de courant, absence de petites monnaies, par-ci, par-là. Et il y a bien d'autres exemples que ceux qui nous suivent là peuvent donner facilement. Ok, voilà. Ok, merci. Zika Mado, ma fille, gros bisous à toi depuis ta position. Bonjour à tous ceux qui se sont connectés, qui ont parlé Tani Gobu, Tanocéan, Véronique Asoumou, Destinée Glorieuse. Bonjour à tous ceux et celles dont j'ai vu les noms et ceux et celles de qui j'ai pas vu le nom. Excusez-moi, désolé si j'ai pas vu vos noms, mais je vous salue avec le plus grand respect. Même ceux qui ne parlent pas, je vous salue avec le plus grand respect. Alors, cela live d'aujourd'hui, franchement, c'est pour, merci pour les cœurs et tout ça, c'est important, ça fait partie du combat. C'est pour vous montrer de la façon la plus simple possible, nos tares. Quand je dis nos tares, c'est-à-dire c'est vraiment nos vrais problèmes même psychologiques dont on ne fait même pas attention, parce que pour nous, on pense que c'est normal. Alors que, une fois que tu te rends compte que ce n'est pas normal, tu peux maintenant commencer à réfléchir pour te dire que ça là, c'est foutaise, je ne veux plus que ça se répète. Et tu commences à agir en sorte pour que justement ce genre de foutaise ne se répète plus. On a parlé de coupure d'électricité. En Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier, vous allez voir une période de l'année, on va couper l'électricité dans la maison des gens, dans un quartier, dans un secteur. Et puis quand on a coupé l'électricité là, sincèrement, ça ne nous dit rien. Ça va nous énerver, par exemple, Rosamond, gros bisous à toi, triple tep à toi. Ça va nous énerver si on regarde un match de foot, par exemple, et que le match de foot est coupé. Là, on va s'énerver parce qu'on ne voit pas le match de foot. On va s'énerver parce que, par exemple, tu es au climatiseur dans ta chambre en train de bien faire tes affaires, et puis maintenant, le climatiseur coupé commence à faire chaud. Là, ça va t'énerver. Tu es énervé parce que peut-être tu es en train de lire un bouquin ou bien un truc, et puis on a coupé l'électricité, et puis maintenant tu ne vois plus ce que tu es en train de lire, ça va t'énerver. Tu es en train de faire la cuisine, on a coupé, ça va t'énerver. Ça veut dire que ça va t'énerver par rapport à toi, tes dispositions dans lesquelles tu étais pendant qu'on a coupé l'électricité. Mais la base, elle est où? La base, elle est où? Pourquoi en 2023, je dis bien en 2023, je ne sais pas dire en 1960, je dis 2023, l'électricité se coupe toujours en Afrique, chez nous. On ne coupe pas aux États-Unis, on ne coupe pas en France, on ne coupe pas en Suisse, on ne coupe pas au Japon, on ne coupe pas dans tous ces pays-là. Mais chez nous, en Afrique, sous prétexte qu'on est sous-développé, Donc, quand on coupe, ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave. Parce que ces coupures-là, depuis 1980, quand on a commencé à parler de délestage, les gens coupaient. Et puis, au début, on disait non, c'est parce qu'il y a la sécheresse ou bien je ne sais pas, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. On trouvait toujours quelque chose. Mais les gens n'ont pas idée. Les gens n'ont même pas conscience que quand l'électricité se coupe, l'économie s'arrête. Quand l'électricité, aujourd'hui, là, de nos jours, là, où tout est électrique, tout fonctionne à l'électricité, là, quand l'électricité se coupe, c'est un pan de notre économie qui s'arrête. Que ce soit la nuit comme de jour. L'économie s'arrête. C'est-à-dire que l'évolution qu'on est en train de faire, quand on fait nos transactions, quand on fait nos trucs, ça s'arrête là net. Et le retard commence, le chronomètre se met en marche, et puis on est en retard sur tous les autres où l'électricité fonctionne là. Et puis maintenant, eux, ils avancent. Eux, ils créent des choses, ils font des choses, ils travaillent, ils font... En tout cas, ça avance. Mais nous, là, ça s'est arrêté là. Et puis on est là, on allume nos bougies, ou bien nos lampes tempêtes, ou bien nos trucs, on retourne au Moyen-Âge, et puis on est là, ça ne nous dit rien. On attend seulement, hey, ça va venir à quelle heure? Ça va venir quand? Le frigo est là, il est rempli, ou bien le congélateur est rempli, les choses sont en train de se gâter, tout ça là. Mais dans nos têtes, dans notre subconscient, dans notre conscient, là, ça ne nous dit rien. C'est-à-dire que ça ne nous dérange pas plus, quoi. Pour nous, en fait, ce n'est pas un scandale qu'une société étrangère vienne s'accaparer la distribution de l'électricité dans notre pays. Et à prix d'or, on paye les factures. Et le jour où tu ne payes pas cette facture-là, on vient enlever ton compteur de façon... mais fantastique, on vient te foutre la honte dans le quartier. Quand on enlève ton compteur, ça fait honte. Mais et puis on fait rien. C'est-à-dire, on fait rien devant leur société là pour payer à la fin du mois. Il n'y a rien. Jusqu'à les gens mettent briques. On fait palabre même pour payer, pour en ordre. On est fiers, on est content d'aller payer des factures exorbitantes par rapport au vrai prix de l'électricité chez nous là. On est content. Et quand ça se coupe, ça revient avec un truc, ça gâte les appareils. Non, c'est pas un problème. Ça ne nous dit rien. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire là? Ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dit rien. Et ça, c'est un problème psychologique profond. On ne s'en rend pas. Il y a plein de choses comme ça. Hein. On va citer un peu en partie. J'ai oublié quelque chose, Maître Zokou? Non, ça va, tu es dans ton développement. Mais écoute, Bon, continuons. J'ai envie de retenter une manœuvre, sortir et puis revenir avec mon vrai nom, mais j'ai peur que ça n'égale tout. Bon, allons-y, continue. Reste comme ça. Ok, voilà. Okay, d'accord. Donc, je ne sais pas, hein, je ne suis pas psychologue, hein, mais vous-même, des fois, asseyez-vous et puis réfléchissez un peu, vous qui êtes là. On coupe l'électricité en 2023, où tout fonctionne l'électricité. Ton téléphone, ton ordinateur que tu dois recharger, ton frigo, ta télé, les outils que tu prends pour t'informer, tout ça. Y a quoi encore? Même la lumière, simplement la nuit, dans ta maison, pour ta sécurité. Les choses, non, on coupe et puis, c'est pas grave. Oh, ils ont coupé ça, revenu à quelle heure? Et puis quand ça revient, oh, on est content. Mais c'est un problème psychologique, les frères et sœurs. C'est un problème psychologique. Non, sérieux, grand frère Ludovic Aloukou, merci d'être là aujourd'hui. Merci d'être là aujourd'hui. Franchement, ça me fait plaisir. C'est un problème. C'est-à-dire qu'on se rend... Tu sais, quand tu es fou, là, tu ne sais pas. Quand tu es malade, des fois, tu ne sais pas. Tu ne te rends pas compte. Tu te dis que, bon, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on est né dedans. Pour la plupart des enfants de 80, là, qui sont nés, enfin, les gens qui sont nés en 80 jusqu'à maintenant. Là. Mais en 1974, c'était impensable. En 1974, je me rappelle, couper l'électricité. Je ne sais même pas à quel moment on coupait l'électricité. Je ne me rappelle plus. Mais c'est en 80, là. Pardon? En 1974, en Côte d'Ivoire, ici? Oui! En 1974, il n'y a pas coupé le courant comme ça? D'accord. Mais oui! Moi, je me rappelle, j'ai fait une année à Mermoz, où j'habitais à Cocody, PMI. Je ne me rappelle pas à quel moment ils ont coupé l'électricité. À moins que le compteur saute dans la maison parce qu'il y a eu un court-circuit, un truc comme ça, mais sinon, l'électricité est très constante. Mais maintenant, là, coupure d'électricité, c'est devenu... Le gars qui a son business, par exemple, qui a un restaurant, comme le grand frère Ludovic Aloukou, qui a un restaurant qui fonctionne, il lui faut l'électricité dans son restaurant pour que les gens puissent voir clair dans ce qu'ils mangent. Mais on coupe l'électricité dans le quartier, dans tout le secteur, et puis là... Les gens qui sont censés nous fournir l'électricité, mais ils s'en battent les boules. Parce que chacun des responsables chez eux, ils ont au moins une coupe électrogène. Ils ont quelque chose, dès que le courant se coupe, ça se met en route. Et puis, ils ne sont même pas au courant que l'électricité est coupée. Ils continuent de manger leur caviar, jouer leur piano, faire leur vie tranquille. Ils s'en foutent de la vie du plus petit qui est assis de l'autre côté là-bas dans un quartier précaire, qui a besoin d'électricité, par exemple, pour que son enfant étudie. C'est pas le problème. Même si ça dure 2 jours, c'est pas un scandale, ce n'est rien du tout. On s'en fout. Le jour, ça vient, c'est venu. Et pareil pour l'eau. Oui. Et dans nos têtes, c'est naturel, c'est normal. On va nos mamans aller faire la queue, elles bassinent là, et puis elles attendent chacune à leur tour de venir prendre l'eau. C'est normal, dans les bidons, c'est normal. Chez nous, est-ce que vous vous rendez compte de notre maladie? Comment c'est profond, nos problèmes? Puisqu'on ne se rend pas compte, on ne comprend pas, on ne prend pas conscience que c'est scandaleux. Non, mais c'est grave, hein, je vous assure. C'est très... C'est-à-dire que ce genre de petites choses-là, quand tu mets en amont, ça explique parfaitement le sous-développement dans lequel nous sommes. Ça l'explique parfaitement. Parce que, hey, faut couper courant ici en France. Coupe courant comme ça au hasard. Coupe dans les secteurs. Même avec la crise, je vais vous dire une chose, parce que avant la crise là, de l'Ukraine et Bachar, on a dit oui, il y aura des coupures d'électricité en France et tout ça. Ils ont annoncé ça. Ils n'ont pas eu cœur de couper courant dans la maison de quelqu'un. Ça, je vous le dis. Parce que nous, on s'attendait à ça. Ah là, vraiment, dans notre quartier à Lyon, là-bas, les gars vont couper le courant pendant 2 heures, 3 heures, et puis après, ça va être chaud. Vraiment, les gens même paniquaient. Ils se disent, mais comment je vais faire? Moi, ma box, elle fonctionne avec... l'électricité, je ne pourrais pas travailler parce que je travaille à la maison en télétravail, machin, tout. Les gens commencent à se poser des questions, mais ils n'ont jamais coupé. Je ne sais pas où ils vont chercher le courant, hein. Je ne sais pas où ils vont chercher l'électricité, mais ils n'ont pas coupé. Ils n'ont pas eu cœur de ça. Parce que je me suis dit, même je présentais mes collègues au travail pour dire, vous allez voir comment c'est un peu l'Afrique. Chez nous, là-bas, quand on coupe le courant, là, vous allez voir un peu, mais j'ai eu tort. Ils m'ont honni parce qu'ils n'ont pas coupé. Mais chez nous, c'est normal et ça ne nous dérange pas. Les nouvelles générations qui sont nées dedans, alors là, quelqu'un qui est né devant Caniveau, qui sent mauvais, depuis les bébés. Première respiration, quand il est revenu de l'hôpital, c'est odeur de caca, dans un quartier précaire. Jusqu'à 12 ans, il respire même odeur de caca quand il sort, il traverse, il saute le caniveau pour aller jouer au ballon avec ses camarades. C'est odeur de caca, il sent. Jusqu'à 22 ans, il sent odeur de caca. Vous pensez que le caniveau qui est bouché, là, avec caca dedans, ça le dérange? Ça le dérange pas? C'est quand il prend l'avion maintenant. Et puis, ils arrivent aux États-Unis, ils arrivent au Canada, ils arrivent en France. Et puis, ils voient qu'il n'y a pas de caniveau qui traîne avec des odeurs de caca, qui se dit, ici, là, c'est bon, hein? Ici, là, c'est bien. Chez moi, en Afrique, là-bas, là, ouh, pour nous, là, c'est... Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe dans la tête des gens? D'où les complexes profonds de domination du blanc sur le noir. Des fois, sur quoi ça se base? Parce que c'est automatiquement que le noir est bête. Le noir est mauvais, le noir est méchant, le noir est inconscient, le noir est sale, le noir est comme ça parce qu'il est né dans ça. Et maintenant, quand il voit quelque part où ce n'est pas normal que ce soit comme ça, il se dit, non, les gars sont forcément supérieurs à nous. Ça, c'est-à-dire que ça a l'air de rien comme ça, mais c'est de la deep psychologie. C'est de la psychologie pure et profonde même. Que les gens, quand ils regardent ça, ils vont prendre ça pour la rigolade. Mais ce n'est pas de la rigolade, c'est très sérieux. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui vont se battre pour des politiciens, pour des individus, hein, au lieu de se battre pour des droits, au lieu de se battre pour des lois. Ils vont se battre pour un individu. Ils vont mourir pour un individu, au lieu de mourir pour des droits. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe? Ou bien des gens ils vont suivre un politicien parce qu'il est bêté. Ou bien ils vont suivre un politicien parce qu'il est xénophobe. Ou bien ils vont suivre un politicien parce qu'il est baoulé. Mais ils ne vont pas suivre un politicien parce que ce que le politicien dit ou bien ce que le politicien défend, c'est son droit à avoir une vie décente. Vous voyez la nuance? Mais il y a des gens, tu vas leur expliquer ça, ils vont dire « Oh, pardon, là. Tu parles au Togo, oh, pardon, là. » Mais tout ça, là, quand tu mets ça un à un, collé, eh bien, c'est ça qui fait le sous-développement dans lequel nous sommes, la souffrance que les gens ont en général. Parce que même en général, même ils ne comprennent même pas la souffrance qu'ils subissent. David, comment tu vas? C'est-à-dire que la souffrance qu'ils subissent, là, ils ne la comprennent pas. C'est-à-dire que c'est le jour où il a faim, peut-être il va dire que oui, j'ai faim, ça ne va pas. Hey, Dieu, aide-moi. C'est le jour où il a besoin de quelque chose, puis il n'a pas là. C'est là il va dire, hey, Seigneur, aide-moi. Jusqu'à même dans la musique, dans les chansons, dans les trucs. Hey, Seigneur, les gens sont jaloux de moi. Parce que toi, pour toi, quand tu réussis dans la vie, tu deviens un sujet de jalousie. Tu deviens un sujet de haine des autres. Dans ta tête, hein, toi seul, peut-être des fois les gars ne s'occupent même pas de toi. Mais dans ta tête, jusqu'à les chanteurs, eux tous ça, quand ils chantent maintenant aujourd'hui, j'étais dans le noir, oh, j'étais malheureux, oh. Aujourd'hui c'est moi, je suis devenu la lumière du village ou bien le coco. Aujourd'hui c'est moi, mes gens viennent prendre un crédit chez moi. Oh voilà. C'est-à-dire que c'est devenu quelque chose. Oui, mon frère. Puisque notre temps est limité, déjà là, sur ce premier jet, à savoir les petits problèmes courants qu'on rencontre au quotidien, coupure d'eau, coupure de courant, manque de petites monnaies dans le commerce et tout. Moi, je peux dire que tout ça, là, c'est lié à notre niveau d'éveil. Un peu le niveau d'instruction et puis le niveau d'éveil. Parce que quand on prend les populations européennes, ben, elles sont passées par tous ces stades-là. Moi, je me baladais un jour dans les rues avec un tonton mais qui m'expliquait. Il me dit, mais tu sais, ici, avant, à Paris, mais c'était l'insalubrité. Il y avait des ville partout et tout. Donc, c'est le progrès des sociétés avec l'instruction, avec la notion du droit du citoyen. C'est tout cela qu'on a appris à inculquer aux gens petit à petit parce que faut pas qu'on croie que le noir en esprit est inférieur au blanc. Non. Il n'y a pas de demi-âme. Nous sommes tous des âmes. Voilà. Mais c'est la façon dont une âme a été instruite, a été conditionnée par certaines valeurs qui donne l'impression à quelqu'un qu'il est au-dessus de l'autre. Donc, je crois que tout ça, là, c'est avec l'éveil, la sensibilisation, petit à petit, nos frères, vous qui êtes dans la diaspora, c'est vous maintenant qui alertez les gens. Ah non, ça, c'est pas normal. Voilà. C'est pas parce que le noir même, il aime la souffrance. Non, je crois pas. Je crois pas. Mais c'est difficile de ne pas être le fruit de son environnement. Hein. Mm-hmm. Et c'est petit à petit. On a le frère Ange qui nous rejoint. Hein. Oui. D'accord. Mm-hmm. Le juriste. C'est petit à petit. Voilà. C'est petit à petit qu'on va comprendre. C'est pas parce qu'on est des sous-hommes, non. Non. Mais le fait d'être né dans un environnement, ça ne veut pas dire que forcément tu acceptes, hein, mais entre guillemets, tu tolères un peu. Et il faut du temps maintenant, parce que la révolte, c'est une activité où tu rassembles tes forces, tes énergies maintenant pour aller contre quelque chose. Ça met du temps. Voilà. Et par la vidéo que toi tu fais, par les vidéos que d'autres qui font, qui ont des possibilités de comparaison, par rapport à quelqu'un qui n'a pas de possibilité de comparaison, lui, il y a plus de chances qu'il se contente de son vécu. Il va se plaindre, mais quelqu'un qui a fait un milieu différent, par effet de contraste, lui, il comprend que, ah non, 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 on s'abuse avec nous, ça ne passe pas comme ça, comme toi. Voilà, donc je pense que avec le temps, par l'instruction, pas parce qu'on aime la souffrance, on va comprendre, on va apprendre à se révolter. Bonne arrivée, le frère Grah Olivier. Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Voilà. Est-ce que tu as suivi le début de la vidéo? Pas le début, mais ça fait un moment maintenant que je suis quand même. D'accord. Donc, pour résumer, on était en train d'évoquer un certain nombre de points à notre niveau qui nous retardent. Le premier point qu'on a évoqué, c'est les petits problèmes au niveau de la vie courante qu'on ne prend pas au sérieux, tels que les coupures d'eau, les coupures de courant, l'absence de petites monnaies dans le commerce et les augmentations successives du coût de l'essence, les petits désagréments que les populations vivent au quotidien, mais dont elles ont l'air de s'accommoder un peu facilement, en expliquant aux gens que non, dans une société moderne, où le droit du citoyen, où le droit du consommateur est vraiment respecté, mais c'est des choses qui ne se font pas. Donc, quelque part, les multinationales s'amusent avec nous. Ces mêmes multinationales-là qui sont prestataires des mêmes services en Europe, mais ils n'ont pas ce petit comportement d'amusement. Pour 30 minutes même d'interruption d'électricité, d'abord, ils vont l'annoncer à l'avance et ils vont s'excuser. Et parfois même, au besoin, dédommager les consommateurs par des formules diverses pour leur montrer qu'elles reconnaissent qu'elles ont fait du tort aux consommateurs, elles vont leur accorder une compensation. Mais ici, tellement on vit dedans, ça n'a pas l'air de nous révolter outre mesure. Donc, c'est de ça qu'on parle. Donc, sur ce chapitre précis, qu'est-ce que tu as à dire? Parce que... moi, je tenais à dire quand même que... Oui. On s'habitue à la normale. Voilà, c'est ça. On s'habitue à la normale. Ce qui n'est pas normal. Anormal, c'est ça, non? Anormal. Ouais, à la normale. Oui. Ce qui est anormal, on s'habitue. Tu mets quelqu'un en prison, oui. Au début, il va souffrir. Oui. Après, il va s'organiser. Après, oui. Tu vas venir trouver en train de rire et de bavarder avec tout le monde. Oui, c'est ça. Parce qu'il a réussi à intégrer dans sa réalité quotidienne, oui. Sa liberté. Qu'il a perdu. Mm-hmm. C'est un peu comme ça que l'être humain est. L'être humain n'est pas une personne révoltée permanemment devant des choses. C'est-à-dire que tu te révoltes devant quelque chose qui n'est pas normal. Tu vas voir une deuxième chose qui n'est pas normale, tu vas te sentir révolté. Mais quand la normale devient la normale, anormal devient normal. Oui. Voilà. Quand la normale devient la normale, la capacité de réflexion, la capacité de révolte est amenuisée, disparaît. Oui. C'est un peu comme ça. Je prends un exemple. Je dis, avant, on n'avait pas d'inondation. Oui. Oui, c'est ça. Avant, on n'avait pas d'inondation. Oui. Je me rappelle, on n'avait pas d'inondation. Les inondations ont commencé, les gens c'était devant une catastrophe. Mais remarquez, on s'habitue aux inondations. Oui. On trouve même des justifications. Mais oui. Et moi, je faisais remarquer à un ami, j'ai dit, mais ouais, dans les autres pays, en tout cas dans les grands pays généralement, quand il y a des inondations, c'est parce qu'il y a la montée des eaux. Mm-hmm. Il y a une telle pluie qu'il y a la montée des eaux. Ça, c'est la nature. Mm-hmm. Là où les États-Unis, par exemple, il y a des moments où le vent, les ouragans sont permanents. Oui. Ça, c'est la nature. Mm-hmm. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, les inondations, ce sont les eaux qui ne descendent pas. Voilà. Ce sont les eaux qui ne descendent pas. Ce n'est pas les eaux qui montent. Mm-hmm. Ce sont les eaux qui ne descendent pas. Ça pose quel problème? Ça pose un problème d'évacuation des eaux. Mm-hmm. Le système d'évacuation des eaux, qui y pense? Ce sont les dirigeants, ce sont les choses. Et ce sont les hommes. Il y a des urbanistes qui réfléchissent à ce genre de questions-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous voyez que les gens pensent à cela? Les gens cherchent à justifier. Ah, il y a des inondations à Abidjan. Ah, il y a la même chose à Lagos. Il y a la même chose à tel endroit. Ils ne s'intéressent pas à la situation d'Abidjan. Pourquoi il y a des inondations à Abidjan? Il y a des endroits qui sont naturellement soumis à ça, aux inondations. Mais aujourd'hui, le problème, chaque année, on va dire aux gens, eh bon, ceux qui sont dans les zones dangereuses, là, il faut que vous dépassiez cette zone, elle est dangereuse, il faut sortir. Mais pourquoi ma maison n'était pas dans une zone dangereuse et puis ma maison aujourd'hui dans une zone dangereuse? Oui. C'est le problème, c'est un système d'évacuation. Il faut réfléchir à ça. Mais les gens s'habituent. Chaque année, il y a des dizaines de morts. Maintenant, ça ne choque plus. Mm-hmm. Oui. Ça ne choque plus. Donc, le frère Ange Gras, excuse-moi, je vais t'interrompre, de peur qu'on ne mette trop de temps sur cet aspect-là, parce que tu as d'autres éclairages à nous apporter sur les autres points de la discussion. Donc, je retiens de ce que tu as dit, face aux désagréments au quotidien que nous font subir les multinationales, tu as relevé le fait que l'esprit humain même s'habitue et se révolte contre ce qui n'est pas normal. Mais lorsque ce qui n'est pas normal se répète, et tend à devenir quotidien, sa capacité d'indignation diminue, et au final, il s'habitue à ça. Et même, il peut même prendre cette situation-là du bon côté en la prenant en dérision. Je vais donner l'exemple du cas de la prison. Les premiers jours d'incarcération, pour quelqu'un qui n'a jamais connu ça, ils sont pénibles. Peut-être que le monsieur va déprimer. Mais au fil du temps, il s'adapte. Son organisme s'adapte à ce nouvel environnement. Et au final, quand on va venir rendre visite 1 an plus tard, 2 ans plus tard, mais c'est un individu moins affecté. Voilà. Il trouve même des relations, des amitiés au niveau de la prison. Ils jouent les cartes ensemble. Il se crée un nouveau monde avec cette réalité. Donc, merci beaucoup pour ton éclairage qui est très intéressant. Tu ne nous quitteras pas. Non, deuxième point de notre causerie, et ça peut-être que tu auras... Bonne arrivée à Ben Yao. Ben Yao, coupe ton micro, Ben Yao, voilà. Dis-le-moi, coupe ton micro. Bonne arrivée à Ben Yao. Et Ben Yao, excuse-moi, je ne vais pas te donner la parole pour ce point-là parce qu'on a déjà traité les désagréments au quotidien dans la prestation des services des multinationales. 2 minutes, hein. Voilà. Donc, le deuxième point de notre causerie, c'est nos querelles futiles entre opposants, nos querelles futiles entre camarades supposés être camarades de lutte. Voilà. Mm-hmm. Depuis quelque temps, on assiste à une guéguerre entre les opposants. Les pro-Simone qui attaquent les bléistes, les bléistes qui attaquent les GOR qui attaquent les soroïstes. Or, nous tous, il n'y a pas si longtemps, on était d'accord qu'il fallait faire partie quelqu'un qui a usurpé un 3e mandat. C'est ce que nous allons développer. Voilà. Et Ben Yao, qu'est-ce que tu as à dire sur ce sujet? Là, tu peux ouvrir ton micro. Oui, mais je ne trouve pas d'abri. Donc, comme je suis dans la rue, je vais juste vous écouter. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, Boiskwassi, qu'est-ce que tu as dit à ce sujet? Qu'est-ce que tu voulais... Je vais laisser notre invité d'abord, Grah Olivier, parler, et puis moi, je vais reprendre après lui. Voilà. Les querelles futiles entre opposants, ils s'attaquent sur des questions de vie privée, sur des débats de dessous des ceintures, alors que l'ennemi commun est là, confortablement installé, qui s'apprêterait même à dérouler un quatrième mandat. Ah, merci. Moi, ce que je voulais dire ici, la question, ça me surprenait au début que ce débat-là soit sorti même de l'espace politique pour entrer aussi dans l'espace, la vie civile. C'est-à-dire, voilà, c'est ce genre de débat-là. Vous savez, j'ai été conseiller d'un ministre un jour. Le ministre a voulu introduire des politiciens dans un domaine. Je l'ai regardé, j'ai commencé, j'ai dit non. J'ai dit non, monsieur le ministre, excusez-moi, si vous mettez ici, là, les politiciens, là, ce qui est facile, là, ça devient compliqué avec eux. Si vous les mettez dans cette affaire-là, ça va se gâter. Il m'a regardé, il a ri, il m'a dit, tu as oublié que je suis politicien moi-même. Mais dans le même temps, il a reconnu, il n'a pas dit non, c'est vrai. Les gens, j'ai dit que les politiciens n'ont pas les mêmes réactions, mais ce qui m'étonnait au début, c'était les cyberactivistes et compagnies qui se sont mis à ce jeu-là. Ils ont commencé à attaquer, mais en vérité, moi, j'ai regardé finalement ma conclusion. Il y a un changement fondamental dans la donne. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens de l'opposition qui viennent rentrer au pays de temps en temps. Oui. Et ils ont décidé de temps en temps, comme ils viennent de rentrer, ils n'attaquent plus la cible. Parce qu'Alassane Ouattara, si tu t'es mis à l'attaquer sur les réseaux sociaux, tu ne vas pas rentrer au pays. Ah, ça. Tu ne vas pas rentrer au pays. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent continuer à exister. Pour exister, ils se mettent à s'attaquer entre eux-mêmes. Mais ce qui me fait mal, moi, ce qui me fait mal, c'est que vous savez, on a besoin aujourd'hui de l'union de l'opposition. Même quand vous vous battez, là, faites attention, battez-vous de telle sorte que vous ne vous empêchez pas de vous retrouver quand ça sera nécessaire. C'est un peu comme ça. Mais quand on commence à rentrer dans la vie privée, on commence à rentrer dans certains domaines, on rend difficile la chose. Ils se rendent même, il y a beaucoup qui ne se rendent plus compte, qui se battent plus contre Alassane. Il y a beaucoup qui ne se rendent plus compte. Hein. Oui. Voilà. Il y a beaucoup qui ont perdu. Il y en a qui ont vu les autres qui rentrent au pays, qui viennent raconter le pays est comme ça. Je sens que cette envie, cette chose-là, ça m'a dit, il y en a qui ont cessé, même il y en a carrément qui ont cessé de faire des vidéos pour continuer le combat. Il y en a qui ont cessé parce qu'ils ont envie. Ils ont envie de rentrer au pays comme les autres. Bon, ça joue pour beaucoup, pour moi. Donc, pour cacher qu'on n'a plus le courage de se battre avec l'autre parce qu'on veut rentrer au pays, on fait des histoires entre nous. Pour moi, c'est comme ça que les gens réalisent. Ils font des histoires. Lui, là, il a fait des... Lui, là. Mais comme vous avez utilisé le bon mot, la futilité des sujets. Et puis, c'est tellement futile, et puis ça n'arrête pas. Hein. Oui. C'est-à-dire que tu vas voir. Moi, il y a des gens que je suivais, mais j'ai arrêté de les suivre. Parce que chaque fois que je joue, chose, comme on appelle, je vais sur les vidéos, dès qu'il commence par dire, lui là, il s'est mis à attaquer une personne, j'arrête. J'arrête en même temps. Je préfère aller faire autre chose que de les écouter. Pourtant, c'était des gens qui avaient des interventions pertinentes. Mais l'état d'esprit aujourd'hui, il y a cet état d'esprit-là, il y a cette force pleine cette force ambiance de réconciliation qui n'en est pas une, qui a eu un impact pour moi sur les combattants et les choses. Remarquez, curieusement, par exemple, les politiciens eux-mêmes, ils n'ont pas ce niveau d'attaque entre eux. Surtout sur les réseaux sociaux et les choses. Par exemple, est-ce que vous voyez les choses qu'on appelle ça, les gens du PPA-CI, s'attaquer, par exemple, à Blé Goudé ouvertement tout le temps? Non, non. Pas autant. Mais c'est sur les réseaux sociaux, là, les Blé Goudés contre les Gbagboïstes ou bien les Papassi. Voilà, Papassi. Il n'arrête pas. Sinon, les politiciens, même entre eux-mêmes, c'est curieux. Moi, je constate les attaquants. Vous voyez, par exemple, Simone Gbagbo. Rarement, vous voyez Simone Gbagbo en train d'attaquer son ex-mari. Pourtant, on sait tous que les relations ne sont pas difficiles. Oui. Mais les supporters de Simone Gbagbo, là, les supporters de Gbagbo, ils se trippent sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, il y a cette... pour terminer, pour ne pas monopoliser la parole, c'est bien pour dire qu'il y a une fausse ambiance qui fait qu'on mène des combats futiles parce qu'on veut, garantir. Aujourd'hui, la capacité à accepter qu'on ne va pas rentrer parce qu'on est en train de mener un combat. Oui. Parce que c'est une des conséquences du combat qu'on mène. Et on doit l'accepter. Cette capacité-là, beaucoup de gens ne l'ont pas. Pour terminer, je vais dire, par exemple, personnellement, quand j'étais là, et puis on a dit, le ministre de la Réconciliation arrivé aux États-Unis, il y a quelqu'un qui m'a contacté, non, il veut te rencontrer, tout ça, je lui ai dit, il dit, c'est pourquoi. Je lui ai dit, c'est pourquoi. Il dit, lui, là, c'est pas un ministre de la Réconciliation. Il cherche à mettre des noms sur son agenda. C'est tout. Il a rencontré Grah Olivier, il est arrivé, il a rencontré Grah Olivier, il a discuté avec lui, on prend des photos. Il justifie son truc, et puis il s'en va. Il dit, ce n'est pas quelqu'un qui peut résoudre quelque chose. Donc, franchement, il ne peut pas résoudre. D'abord, moi, je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire dans le contexte actuel, c'est-à-dire en me privant de ma liberté de me battre. Voilà. Voilà. Donc, je préfère rester. C'est cet état d'esprit-là, cet esprit de sacrifice-là, que chacun doit accepter et que chacun puisse retrouver cet esprit de combat qui existait quand Gbagbo était en prison. Parce que l'ambiance à chacun, Gbagbo était en prison, cet esprit de combat là, il faut que cet esprit de combat là demeure. Il faut que cet esprit de combat revienne et que chacun prenne conscience de ce que on ne va peut-être pas rentrer, mais quand on va, si on se bat là, quand on va rentrer, c'est qu'on fait libre, on pourra faire au pays. Vraiment, merci beaucoup. Je crois que on a saisi l'essentiel de ton propos. Il y a Bois Guédré Monsieur Grand Ange, s'il vous plaît, restez sur le. Non, je suis là. Voilà. À moins que vous ayez des opinions. Restez, voilà, merci de rester. Merci. Monsieur Bois Guédré Ouraga, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends, vous m'entendez? Oui, merci, oui, parfaitement. Donc, tu peux y aller. Qu'est-ce que tu as dit? Moi, je vais apporter un peu la pièce à l'édifice parce que pendant les 10 ans qu'on était dans les rues, bon, je fais partie de ceux qui étaient dans les rues depuis le 11 avril 2011. Bon, et puis c'est vrai que j'ai une voix d'homme, mais c'est Madame Bois Guédré Ouraga. Voilà. Ah, c'est Madame Bois Guédré Ouraga. À chaque fois, on rigole dessus. Bon, en fait, je vais expliquer ce qui est simple de ce que moi j'ai vu pendant les 10 ans qu'on était dans les rues. Oui. Au départ, on a tous été touchés de ce qui s'est passé dans notre pays. Moi, comme ça, j'étais très apolitique. Ça veut dire que je me rappelle encore quand ma mère, elle me prenait pour aller à Kléber, là. En tout cas, c'était sous forme de menace. Parce que je ne voulais rien du tout avoir à faire avec tout ce qui était politique. Marcoussi, idem. Ça veut dire pour moi, je me disais que ceux-là, là, c'est devant nous, ils sont en train de s'embrouiller. Et puis derrière, là, on les voit manger ensemble. Donc moi, je ne me vois pas concerné. Mais c'est le jour où j'ai vu les images de ce qui s'est passé dans mon propre pays. Oui. J'ai dit non. Ça, là, c'est pas possible. En plus, en 2010, je venais juste d'accoucher de ma dernière fille. Oui. Donc, il faut voir comment j'attrapais mon bébé quand je voyais les femmes enceintes qu'on a éventrées et puis on a arraché leur bébé. Là, j'ai regardé mon bébé. C'était une révolte. Donc, on a commencé cette lutte-là. Ce qui nous a réunis, c'est quand on était dans les rues et puis on se faisait tabasser. On a dit, bon, comme c'est comme ça, là. Bon, moi, je suis têtu, non? Tous les Ivoiriens sont têtus. On a dit, bon, comme on nous frappe là, pour quelque chose de réel, de juste, nous, on va aller jusqu'au bout. Maintenant, il y a eu des vidéos où on était dans les marches, où on nous frappait. Il y a eu des vidéos qui sont passées en 2012 et tout. Je ne sais pas s'il y en a encore qui ont ces vidéos-là. Et au fur et à mesure, maintenant, même les politiciens français disaient que nous, les Ivoiriens, nous ne sommes pas constants. Que... donner à un Ivoirien, un garçon, une femme et de la nourriture, c'est bon. et donner à une femme, comment on appelle ça, un homme, et puis le mouvement va s'essouffler. Donc c'est comme ça que dans les inbox là, il a commencé à y avoir des gens qui venaient pour draguer les uns et les autres. C'était une manière de nous faire quitter la résistance. Vous comprenez? Par le sexe et l'argent. Voilà, par le sexe et l'argent. Ce qui est toujours d'actualité, n'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant, dans cette même lutte-là, à un moment donné, il s'est trouvé qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à ne plus y croire, n'est-ce pas? Parce que quand même, 2011, le monsieur, il est innocent, il n'y a pas de jugement, ainsi de suite. Mais oh, combien de temps ils vont nous durer comme ça alors que nous, on a aussi une famille, on a nos vies, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que le mouvement s'est essoufflé. Encore dans ce même mouvement-là, il y a des gens qui ont envoyé une affaire. Bon, moi, je ne vais pas donner de nom, mais il y en a certains qui travaillaient, on va dire, pour ceux-mêmes pour qui qu'on combat. Donc, la France, ils étaient intégrés à nous. Hein? Donc ceux-là, là, ils draguaient toutes les filles qui étaient dans la résistance, tous les hommes. Il y a beaucoup parmi nous qui ont des vidéos où elles se sont fait prendre en train de coucher avec d'autres personnes que leur propre mari. Et donc celles-là encore, elles ont quitté. Il y a des vidéos aussi de personnes qui allaient dans les hôtels pour prendre des enveloppes avec certaines personnes du pouvoir. Voilà, voilà. Oui, et je confirme. Ça, je confirme. Parce que moi-même, on voulait me faire aller voir Ahmed Bakayoko. Ce jour-là, là, j'ai prétexté que j'avais mon fils était malade. On dit, il n'était pas malade. Je voulais juste pas y aller. Voilà. Donc, c'est tout ce management-là. Parce qu'à un moment donné, les gens disent, non, il faut qu'on commence à monétiser un peu. Parce que c'est nous, on prend notre argent pour nos, comment on appelle ça, nos téléphones, ainsi de suite. Et puis, il n'y a rien en retour. Donc, il y en a certains qui ont pensé à l'argent. Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, il y en a d'autres qui ont dit, mais moi j'ai arrêté mes études, j'ai fait ceci, voilà ce qui se passe. Maintenant, il y a des groupes, des groupuscules qui se sont formés, qui se sont créés. Et ces groupuscules-là avaient pour mission d'être des camarades. C'est-à-dire quand le côté sexe ou argent ne fonctionnait pas, c'est le côté amitié maintenant que l'on prenait. Ça dit que nous tous, on a des problématiques dans nos vies propres, dans nos vies privées. Donc, tu penses que comme c'est ta camarade de lutte, tu vas lui exposer ta vie, pas pour qu'elle aille le divulguer, mais pour qu'elle puisse t'aider ou apporter un soutien moral, n'est-ce pas? C'est pour ça que moi, je n'ai jamais montré à qui que ce soit où j'habite, ni parler de ma vie privée. Parce que moi, j'étais toujours là et j'observais les gens. Donc, les guéguerres qu'on a aujourd'hui, là, hein, c'est simple. Ce sont des amis ce sont des amitiés qui se sont formées lors de la résistance et ce sont des groupes-là qui parlaient sur tout le monde. Donc, les papatos, là, c'est eux, quand ils savent quelque chose sur la vie de quelqu'un, ils vont l'exposer à tout le monde, même ceux qu'on n'expose pas. Quelqu'un t'a confié quelque chose de privé, tu t'en vas l'exposer et en plus, tu vas rajouter. Oui. Donc, c'est tout ça là qui a fait les 10 années là où il y avait peut-être des histoires qui couvraient mais que l'on taisait pour le bien de la résistance. Mais aujourd'hui, quand ces gens s'aperçoivent que hier, on était ensemble, on mangeait. Aujourd'hui, toi, tu es parti avec mon ennemi et puis pire, tu lui as exposé ma vie là. Mais la personne va exposer aussi ta vie. Ouais. Les premiers à avoir exposé les vidéos des personnes nues sur la toile, c'est en 2014. Au moment où il y a eu la scission entre les GOR, où on a créé le mouvement GOR, moi-même, je faisais partie de ceux qui ont créé le mouvement GOR en France. Ça s'est passé, ça a commencé à Trocadéro, et le jour où il y a eu la finalité, c'était quand on avait eu rendez-vous devant l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Et ceux qui ont fait ça, là, c'était les affidés. Les premiers à avoir fait ça, je ne donne pas de nom chez les affidés, mais ils vont se reconnaître. Il y a beaucoup de femmes là qui ont mis leurs photos nues sur la toile. Et c'est à partir de ce moment-là que maintenant il a commencé à y avoir des écrits où ceux qui étaient en train de coucher avec les femmes là écrivaient et que si jamais tu parles là ou si tu quittes pas la résistance, je vais balancer ta photo ou ta vidéo de nude. Sachant que ces femmes-là, elles étaient mariées, où il y en a d'autres, elles pensaient avoir trouvé leur homme, parce qu'on ne vient pas tous marier aussi. Il y en a qui sont célibataires. Mais après, les mouvements sociopolitiques, il y a quand même une vie. Ouais. Donc, ces gens-là, eux, ils étaient là spécialement pour ça. Vraiment, merci beaucoup, Madame Bois Guédré Ouraga. Merci beaucoup de très bons éclairages qui nous ont édifiés sur les vraies réalités qui ont eu lieu au milieu des gens, des camarades qui luttaient ensemble pour la libération, qui marchaient ensemble. Ne quitte pas le direct. Pardon. Oui, je voudrais ajouter quand même quelque chose dans l'analyse aussi, pour que, avant que l'autre frère ne parle, juste quelque chose dans l'analyse. Il faut souligner aussi qu'il y a eu une augmentation de la brutalité du pouvoir en place. Oui. Jusqu'à ce que le PDCI ne quitte les choses, le sentiment d'Alassane Ouattara d'une certaine popularité avec le PDCI. Parce que, jouant au PDCI, il se disait... Il n'allait pas jusqu'au niveau où il va aujourd'hui. Vous faites attention, aujourd'hui, le nombre de prisonniers politiques pour des futilités, la guerre contre les réseaux sociaux, il y a eu un niveau de brutalité, de violence vis-à-vis de l'opposition qui a pris l'ascenseur depuis pratiquement 2019. Oui. Et avant 2020, le troisième mandat. Oui. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup joué dans l'attitude des gens aujourd'hui qui font semblant de ne pas voir Alassane et puis de se battre entre eux. Là. Et je remercie aussi la dame qui vient d'intervenir, son analyse aussi. Elle apporte beaucoup de baguettes. Voilà, beaucoup d'éclairage. Je veux juste terminer, pour rejoindre ce que M. Grah Olivier dit. Cette ascension-là, les personnes qu'on dit que pendant la résistance, ils allaient prendre des enveloppes là. Ils travaillaient tous pour Ahmed Bakayoko. Donc, ils avaient certaines choses à faire. Aujourd'hui, qu'Ahmed Bakayoko n'étant plus, qui prend la relève? Mais c'est photocopie. Il faut s'aligner sur quelqu'un du RHDP. Et ceux-là, c'est eux-là, aujourd'hui, qui sont en train de montrer ceux qui sont réellement dans la résistance, ceux qui ne sont pas dans la résistance. Il y a même une liste, et je le confirme. C'est moi, Bois Guédré, qui le dis et j'assume. Il y a une liste de personnes dans la résistance qu'il faut abattre. Et quand je dis abattre, c'est intégrité physique ou sinon enlever dans la résistance. Vous comprenez? Et ces personnes-là se font passer pour des GOR, pour des pro-Simone, pour des pro... comment on appelle ça? C'est en fait, je ne dis pas que c'est eux tous qui font des vidéos qui sont dans cette dynamique-là. Non. Mais je dis qu'ils font exprès de rentrer dans des fractions comme le PPA-CI, le MGC, le COGEP, et toutes ces fractions politiques-là, mais ils ont juste pour mot d'ordre de créer une diversion pas possible. Je préfère dire le mot diversion parce que ce que je voulais dire, c'était trop fort. N'est-ce pas? C'est des infiltrés, c'est des infiltrés. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai expliqué la base pour en arriver à pourquoi aujourd'hui c'est devenu comme ça, parce que c'est leur mot d'ordre. S'ils ne font pas ça, ils auront leurs noms qui seront affichés sur la toile, avec combien ils ont reçu chaque semaine, parce qu'il y en a certains qui voyagent en Côte d'Ivoire, ils sont dans la résistance avec nous, mais bizarrement ils se cachent et puis ils vont en Côte d'Ivoire, c'est eux là qui en donnent les enveloppes et ils viennent ici ensuite, dans toute la diaspora, pour les redistribuer. Donc ils se connaissent entre eux, c'est eux qui sont les groupes là. Pour compléter, et pourtant, on les appelle digne fille, digne fils de la Côte d'Ivoire. Pour compléter ce que tu dis, je veux juste... il faut qu'on prolonge ce live-là. On va le prolonger parce que comme je dois reprendre le boulot à 14h, on va conclure rapidement, mais il faut qu'on le prolonge peut-être si vous voulez ce soir. C'est très important ce qu'on est en train de se dire là. C'est hyper important pour faire comprendre certaines choses aux gens. Alors, moi, je voulais ajouter... Vous vous souvenez du monsieur du fer? Le monsieur du fer. L'ancien Diaby. Lansina Djabi, qui était cité par les talibans Choko, qui était cité par tous ces gens-là, les Dosso et consorts. Là. Vous vous souvenez qu'il y a eu une prise de bec entre eux à un moment donné, par rapport à de l'argent. Mais là, comme les gens ils sont pas trop intelligents, ils réfléchissent pas trop, ils ont fait sortir au grand jour en fait que Il y avait de l'argent qui était distribué à ces gens-là avec des téléphones, des tablettes et des choses comme ça pour pouvoir faire le travail dont Bois Guédré parle actuellement. Les enveloppes qui étaient partagées dans Douce, dans les chambres d'hôtel la nuit, il y a des gens qui sont dedans. Moi-même, on m'a invité pour ça. Moi-même, on m'a appelé personnellement pour me proposer voiture Tesla. Moi aussi. Voilà. On m'a proposé ça. On m'a dit. J'ai dit, je ne suis pas dans ces choses-là. Je mange tranquillement à ma faim, je travaille. Personne ne va m'acheter. Ce que je dis là, je le dis de mon cœur, c'est les choses que je pense pour mon pays, pas pour quelqu'un. Mais je peux vous dire que depuis que le monsieur là a disparu de la lumière, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'il a volé combien de milliards là? On ne sait pas. Est-ce qu'il est en prison? Est-ce qu'il est en prison? Il n'est pas en prison. Non. Mais pourquoi il n'est pas en prison? Parce qu'il était en mission. Et les gars ne peuvent pas l'inquiéter parce que si jamais il l'inquiète, mais il va parler. Et s'il parle, tout va sortir au grand jour. Des fois, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, ouvrez votre esprit et regardez les choses devant vous, comment ça se passe. Parce que c'est ça qui est la base de la discorde, c'est ça qui est la base du désordre qui est là, c'est ça qui est la base même du mélangement des élections qui arrivent pour que le RHDP se retrouve encore avec le maximum de maires, parce que c'est l'élection la plus importante pour justifier le hold-up de 2025. On vous dit ça. Les gars, ça rentre, ça sort. Les gens ne font pas attention à ce qui se passe. Comme il a dit mon frère Grah, il a dit, tu t'habitues à la normale. Tu t'habitues à ce qui n'est pas normal et tu finis par trouver ce qui n'est pas normal, normal. Nous sommes en plein dans la normalité, si je peux m'exprimer ainsi. Nous sommes en plein dans ce qui n'est pas normal. Mais on a l'impression que c'est logique, c'est normal parce qu'on est habitué à ça. Moi, les gens sont habitués à ça. Nous, on va vous dire que ce n'est pas bien ce qui se passe parce que demain, quand vous allez pleurer, quand il y aura un quatrième mandat ou bien une personne qui va remplacer le quatrième mandat, c'est là que vous allez chercher à dire « Alléluia, Dieu, Jésus au secours » ou bien « Allah au secours ». Ça ne sera pas le moment de pleurer, hein. C'est maintenant que les choses se passent. Et si vous voyez que tous les gens de l'opposition, là, au lieu d'être réunis comme un seul homme, ils sont divisés, ils sont mélangés par des gens qui sont par querelle déposés sur les réseaux sociaux ou bien même sur le terrain même, en train de défendre des gens, ou bien parler des gens, ou bien insulter les gens. Alors que, comme Grah l'a dit encore tout à l'heure, les politiciens eux-mêmes, là, ils n'ont jamais dit un mot à l'égard de l'autre vis-à-vis comme ça. Ça va vous faire réfléchir. Le seul truc, c'est que non, s'il laisse, par exemple, si Gbagbo laisse les gens qui insultent Simone parler, c'est que Gbagbo est d'accord. Si Blé Goudé laisse les gens insulter Gbagbo, c'est que Blé Goudé est d'accord. S'il laisse Soro Guillaume parler de tant, c'est que Soro Guillaume est d'accord. Voilà tout ce qu'ils peuvent dire. Mais aucun peut dire que non, Gbagbo a dit ça de Simone, ou bien Simone a dit ça de Gbagbo, ou bien Blé Goudé a dit ça de personne. Mais ça, là, ça ne fait pas réfléchir les gens. Les gens continuent dans les invectives, dans les injures. On parle maintenant. Tout à l'heure, quand vous allumez votre Facebook, vous allez voir des gens vont sortir en vidéo. Ouais, les papaciens, idiots. Ouais, les blégoudéistes, salauds. Ouais, les MGC, ceci, cela. Et puis, ça continue. Les vrais ennemis du pays, comme j'ai dit sur le titre, là, ils ne sont pas difficiles à chercher. Hein. Regardez tous ceux qui ne parlent pas des problèmes des Ivoiriens. Regardez tous ceux qui ne parlent pas des vrais problèmes des Ivoiriens. C'est eux les ennemis du pays. Ne cherchez pas loin. C'est eux. Ceux qui prennent leur vidéo, ils commencent à parler. Ouais, Gbagbo, Blé Goudé, Simone, et ceci, cela, c'est eux, là, les vrais ennemis du pays. Et ils le font sciemment. Ils ne sont pas bêtes. Ils savent ce qu'ils font. Parce qu'ils savent qu'à la fin de tout ça, là, ça sera le même désordre qui va laisser M. Ouattara au pouvoir. Voilà le truc qui est là, qui est simple devant vous. Calmement, gentiment. Tranquillement, c'est comme ça que ça se passe. Et comme ils savent que psychologiquement, les Ivoiriens aiment bien l'émotion, ils aiment bien se distraire, s'amuser, rigoler. Quand on insulte quelqu'un, par exemple, quand je vois une vidéo, les gens commencent à insulter les gens. Et puis maintenant, ça... vous voyez, pendant qu'on insulte quelqu'un, hein, les gens mettent like, les gens mettent des gens qui rient, ça rigole. Ils sont contents parce qu'on insulte l'intimidé d'une femme, ou bien on insulte quelque chose. Les gars sont contents. Et toi-même, tu fais ta vidéo, puis quand tu fais ça, tu vois les cœurs là. Toi-même, tu es là, mais tu te gonfles. Ah ouais, j'ai bien parlé, j'ai bien insulté, je suis content. Et tu n'as pas dit un mot sur, par exemple, la souffrance des paysans ivoiriens qui plantent tout ce que les Blancs mangent ici, qui coûte cher. Là. Et puis maintenant, eux, ils sont dans les cabanes là-bas en train de souffrir. Tu ne parles pas de ça, tu ne parles pas de la cherté de la vie, tu ne parles pas de toutes les choses au quotidien dont les Ivoiriens souffrent. mais c'est la vie des gens, parler des autres, parler des opposants qui t'intéressent, c'est que tu es l'ennemi du pays. Zokou, je te laisse. Bon, vraiment, Boiskwassi, merci beaucoup. Nous allons embrayer sur le dernier point. Ah, il est là, il est là. D'accord, donc tranquillement, on va mettre fin à ce direct-là. Maintenant, ce soir. Toi, il faut, en fonction de tes disponibilités réelles, hein, à toi de voir. Non, si ça, je finis à 17h, le temps d'arriver parce qu'il y a les embouteillages, 1 heure de temps. À 20h, si vous voulez, on s'attrape. 20h, heure de France, ça fait combien à Abidjan? Si ça vous Bois Guédré, puis le frère Grah Olivier. 18h, c'est bon pour moi. Tôt, hein. C'est bon pour moi à 20h. Je ferai tout pour être là à 20h. Voilà, Bois Guédré. Est-ce que oui. Grah, est-ce que ça t'arrange? 18h, 20h de Paris, ça fait combien? Ça fait quelle heure? Ça fait moins 6h. Donc, moi, ça fait 14 heures. 14 heures. Non, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, Boiskwassi, tu es sûr que 20 heures, ça t'arrange? Tu ne veux pas qu'on... Oui, 20 heures, je serai prêt, oui. D'accord. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Boiskwassi n'a pas répondu. Boiskwassi n'a pas répondu. Si, je serai là. Okay. J'ai tout fait pour être là pour 20 heures. D'accord. Donc, à 20 heures, vraiment, merci à tout le monde. Et rendez-vous à 20 heures. Heure de Paris, 18h GMT. Bonne journée à tous et à tout à l'heure. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, à tout à l'heure. À 20h, Marie-Justine Bagnon, maman Marie-Justine Bagnon. À 20h de Paris, 18h d'Abidjan. Ok, gros bisous.